Et on est back pour la suite de The Last of the Us. Toujours le chef-d'œuvre de l'année, de la génération, de tous les temps. Un jeu exceptionnel. Mais à couloir et pro-LGBT. Donc je suis un peu mitigé. Parce que bien sûr, je n'aime pas les lesbiennes. Je n'aime pas les couloirs. Quand je vais dans ma cuisine, je ferme les yeux parce que je dois passer par un couloir. Ça m'obsède. Donc voilà. Alors, où faut-il aller? Que faut-il le faire? Ça c'était juste pour ouvrir. Et là, il va falloir passer. Alors là, ça me paraît. Oh, une petite fenêtre. On peut pas se faufiler, non? Sur le toit, et on rentre par là, et on rentre par là. Ok, allez, let's go, les amis. Nous sommes partis. Pourquoi des points d'exclamation, Aria? Pourquoi? Pourquoi des points de suspension, pardon. Messieurs, stream deux jeux en même temps. T'as vu ça? J'ai regardé là, j'ai vu ça, j'ai fait. Ah, j'ai toujours possédé sur Donkey Kong, c'est incroyable. Oh là là, oh ça glisse. Et waouh. Let's go. Let's go. Bien sûr que ça a marché, ma pote. Qu'est-ce que tu crois? Des bikes. Ok, c'est pour les bikers. Une lettre. Boris, encore Boris, hein. C'est la ville à Boris. Ok, Uli. Ah, les cartes. Ah putain, la carte, ils l'ont mis accrochée au bike. Ça, tout le monde l'a fait, ça, rassurez-moi. Accrocher des cartes avec une pince à linge sur son vélo pour faire un bruit de mobilette. Tout le monde l'a fait. Si vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas eu d'enfance. C'est pas possible. Je refuse de croire que il y a que moi et Boris qui avons fait ça. Enfin, c'est pas Boris, mais... Non? Ah merde. Ah, moi j'aimais trop. Je me sentais trop frais. J'étais là sur mon vélo. Mettez une bouteille en plastique vide. Ah, il y avait des... Voilà, et il y avait les connards qui mettaient la bouteille en plastique vide. Ah, eux, je les détestais. Parce qu'ils faisaient un boucan. J'avais des cornes sur mon guidon. Ah ouais, pas mal, pas mal. Des cornes. Ah ouais. Toujours sur Clou 2. Ah, après avoir chialé, on est toujours là. Hein. Sûrement pour la dernière partie. Après, on va aller sur Trackmania pour autister pendant... Jusqu'à 5h du matin, j'imagine. Mais alors, je rappelle, hein, je déteste les jeux de bagnole, c'est des jeux pour les bofs. Mais Trackmania, je ne sais pas. Et ça me possède. Ça va jamais ce que je fais. Mais non, mais parce que moi, dans mon quartier, il y avait... Si dans mon quartier, quand on était petit, il y avait guerre des gangs. Ça, on l'a, je crois, avec ma soeur, on l'avait déjà expliqué, tu vois. Il y avait guerre des gangs. Ça veut dire que nous, on avait notre groupe, tu vois. Et on faisait des cabanes et tout. Et il y avait un autre groupe. Et à chaque fois, ils pétaient nos cabanes. Donc nous, tu vois, on était... Bah d'ailleurs, ça a mené à l'anecdote où j'ai tiré sur un mec. Bon, là on est sur YouTube, je sais pas trop si j'ai envie que ça reste gravé dans le marbre. Donc, je ne vais pas raconter cette anecdote ici. Donc ça a amené à cette anecdote-là. Et du coup, en fait, nous, on était là, on avait nos vélos, on mettait des cartes. Et eux, ils mettaient des bouteilles. Et ils faisaient plus de bruit que nous. Et ça nous saoulait. Donc c'est pour ça que je dis, toi, tu faisais partie de ces gens-là, de ces connards qui mettaient des bouteilles. Je les détestais. Voilà, bien sûr, ne faites pas ça chez vous. Ne tirez pas sur des gens. Laissez les carabines à plomb où elles sont. Parce qu'après, ça fait des dégâts. Ça veut dire, les gens, ils ont le one shot. Hein. J'avais une meilleure visée à l'âge de 12 ans qu'aujourd'hui dans les jeux. Tu tires sur un mec, une balle, tac, le dos en sang, la mère qui vient porter plainte, tout ça, bon... Tirer sur des mecs, oui, dites-moi plus. Ah,
Comme dirait Black M, je ne dirai rien. On a déjà raconté cette anecdote. Il ne faut pas tirer sur les gens avec des fusils à plomb. Ce n'est pas bien. Ça peut très mal finir. Tirer au ballon de foot durant un cul rouge. Si seulement. Hillcrest. Hillcrest, c'est où Hillcrest? Dans une série, il y a Hillcrest. C'est pas genre 13 Reasons Why? Non. C'est où Hillcrest? Attendez. Je vais chercher ça. Sinon, ça va me tilt. Hillcrest. Dans une série, il y a Hillcrest. Ah, mais c'est une vraie ville. Ah merde. Last of Us. Je jure, c'est pas dans 13 Reasons Why, la ville, c'est pas, ils sont pas à Hillcrest. Ah si, Hillcrest, 13 Reasons Why. Trop fort. Je suis trop fort. Je suis un génie. C'est tout. Un génie qui tire sur des gens, mais un génie quand même. Oh. Oh, un setup. Un setup de stream. Alors, va y avoir en français. Ah si, arrête, Christine. Par contre, là, je crois que j'ai raté beaucoup de choses, là. C'est quand même pas mal de choses. Je ne dis pas que la suite c'est là. Ah non, c'est pas là. Je pensais que la suite c'était là en fait. Ah non, la suite c'est là. Et ça, il faut l'amener où? Je comprends un pot. Comprends un pot. Bon, on va retourner de l'autre côté. Clac clac boum boum Bayonetta. Comment je fais pour atteindre l'escalier? Ah. Atteindre l'escalier. Enfin, il faut juste ramener la poubelle en fait. Il faut juste ramener la poubelle. Calme-toi, calme-toi. Ah merde! Oh non, mauvais délire ça. Oh non, des puants en plus. Oh sur ma vie, j'ai fait le con. Oh non, à deux doigts de reload une save là. À deux doigts de reload une save. Un déconneur toi. Un peu ce qui me qualifie dans la vie. Je suis un sacré déconneur. Bon, je connais pas les patterns, je sais pas où ils vont, où ils viennent, ce qu'ils font dans la vie. J'ai pas leur CV sous la patte. Sakura-chan! Ceux-là, ils m'ont mis de tarif quand j'y suis passé. À deux doigts de reload une save, hein, je vous le dis. On peut créer des molotovs. Va vite ta mère. Maman. Heureusement, la roue n'est pas trop pute. Non.
Jure, c'est le dernier? Non, il en reste un. C'est bon. Oh ouais, ok. Oh, bon, j'aurais niqué mes 3 molotov. Peut-être pour rien, parce que je pensais qu'il y en avait un autre. Donc j'ai préféré Secure. C'est pas grave. Nous en recrafterons dès que l'occasion se présentera. Les cafards. Question que je me suis posée sérieusement. Est-ce que le design des puants aurait été inspiré par le président des États-Unis et son physique? Aïe 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 aïe. Vraie question. Vraie question. Je pense qu'il y a eu un hommage. Après, bon, j'ai pas eu trop d'infos là-dessus puisque j'ai évité tous les spoils, donc je sais pas. Je pourrais pas te garantir. Putain, il y avait un Medici. Voir les corps et dis-moi. Je ne vais pas rebrousser chemin. Mais je pense que il y a peut-être hommage. Il y a peut-être un hommage. Au meilleur président de l'histoire de la planète Terre, quelque part. Un tribute. Stabilité de l'arme. Alors là, il me reste quoi à améliorer ici? Au lieu de vous tuer, les attaques mortelles vous laissent une santé minimum. Ah, ça faut qu'on le débloque. Désolé, hein, peut-être que je passe à côté de plein de trucs, des silencieux, des... Mais la survie, c'est quand même important. Moi, je suis un joueur de Daisy, quelque part. Donc la survie, c'est quelque chose qui me... C'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Donc, avec mon skill un peu légendaire... Je pense que le fait de ne pas se faire tuer, c'est important. Du coup, ça c'est loot, on peut sortir. Putain, il y a des zombies ici. J'ai rien d'autre derrière moi? J'ai envie de me lancer une session. Il y en a d'autres. Hein. Faut retrouver la poubelle. Hey buddy. Se passer, Jean-Jean. Alors que je farm Landstone. Partons aller dans le Nether. On est plus en l'histoire ou patient zéro. Ami Donald. Et ce n'est pas Donald Duck. Même si je pense qu'en termes d'humour, c'est. Un des deux est plus drôle que l'autre. Je laisserai. Prends ça, fumier! Alors, objectif, on a dit là-bas. Et la poubelle était... Poubelle était où déjà? Par là, non? Ici. Alors, va la tracter jusqu'à là-bas, par contre. Mon gars. Ah! Ah!
Jure, on peut pas? Ah non, c'est juste pour la porte. Ok, je vais mourir en fait. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà. J'ai plus de molotov. Mais non, je voulais rentrer là, il était là en fait. Oh non, c'est un cul-de-sac, je suis mort. Fini. Mec, franchement, j'ai ouvert la porte, je m'attendais à tout sauf à ça. Genre vraiment. Oh non, on va faire ça, sérieux. T'es habitué à des jeux d'assister. Ah, elle a pris des méga tartes. Bien sûr, j'ai plus de molotov. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le coup de la bombe. On va faire la... On va faire une zicide, comme on dit dans le milieu. Alors qu'est-ce que la... Qu'est-ce que la zicide ? Alors, là, ici, vous prenez ceci, vous placez ça ici, par exemple, vous ouvrez, bon, ça n'a pas marché, mais vous avez compris l'idée. Bon, on va devoir se taper, hein. Il n'y a pas le choix. Mais j'esquive, connard! Mais j'esquive! Ça n'a pas très bien marché. Mais je pense qu'avec un peu de skill, ça peut passer. Ce genre de truc peut passer. Moi, c'est juste que je suis très très mauvais, quoi. Ne désespérez pas. Ça peut fonctionner. Ah! J'ai pas le code. Moto, ok. Après cette partie, les gars, on va aller sur Trackmania un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Bon, un petit 4-5 heures, quoi. Correct. Correct. C'est correct. Ok, donc en fait on a fait tout ça pour R parce qu'on n'a pas le code. On est des fétales. Il faut trouver comment monter. Comment passer de l'autre côté. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un accès par ce bâti? Porte. Calme. Porte verrouillée. Avec petite vitre. Jure. Ok. Très bien. Très très bien. J'aime pas trop ce bruit là en fait. Je vais pas lire.
Derrière la porte, c'est ça? Non, pas un autre. Oh non, pas eux! Mais gros, il y en a de plus en plus! Ma vie, je le fight pas! Je ne te fighterai pas. Mon objectif est de passer de l'autre côté. Bon, peut-être par l'autre bâtie. Je me pose la même question actuellement. J'y travaille dans les campagnes. Ah ouais, mais non. Pas par en bas quand même. C'est pas par en bas. Les gars, dites-moi, vous pouvez me spoiler ça juste. Est-ce qu'il faut que je reparte en bas ou pas du tout? Ou c'est pas ça? C'est juste que j'ai pas envie de me retaper. Pas par en bas. Ah, parce que là, je comprends pas trop là. Non. C'est les puants. Tu dois les fumer pour avancer. Ah, quand tu me dis des trucs comme ça par contre. Bon, les greux, ça leur fait rien. Affronte ton destin. Ton destin! Affronte mon regard. Désolé, je suis japonais aussi. Attends, je peux crafter un truc. Oh là là! Perfecto! Qui a crié là? Faut se baisser pour le récupérer. Hein, dans les vitres. Et il y a le code. Peut-être sur la lettre que t'as zappé de lire. Merde. Jean-Jean? Merci. Plus tard. Bon, il y avait un truc là, non? Bon, j'ai cru voir. Billard. DM. Ah. Peut-être ici. Ah. 30, 82, 65. 30, 82, 65. Vous retenez les enfants? Ça? Ok, donc là il faut repartir en arrière. 30, 82, 35. Alors, il était où ce coffre par contre?
Liqueur. Comment je fais pour atteindre Ah l'escalier? oui, Ellie. C'est là ou c'était Polo? Attendez, attendez. Un deux. Derrière le tattoo shop. Tattoo. Where is the tattoo shop? Tattoo. Ah oui! Bien vu l'ami, c'était là, en effet. J'ai déjà oublié le code. Il était où le coffre? Je suis perdu. S'il vous plaît. Trente-deux, quatre-vingts. Trente, quatre-vingt-deux, soixante-cinq. Trente, quatre-vingt-deux, soixante. Trente. Vingt-deux. Équipé de la tête aux pieds. Pas posé. Ah là, on est bien. Sur R2 sans viser. J'ai quoi comme mode gun? Ah oui, ok, j'en ai que deux. Ok, ça. Pour vérifier. Que moi le rechargement compliqué. Alors, du coup, il fallait aller dans le trou. Oh, merde.
Eh, au bout d'un moment, ça m'emmerde. Allez hop, ça dégage. Au moment, ça me pète les couilles. Passer par quatre chemins. Ah écoute, de ma gueule trop longtemps, on va dire. Qui veut la aimbot quand personne regardait. Coucou. Solde. Pas de thune. Passe pas. On a 30 minutes, voire une vingtaine de minutes les gars, avant de clôturer cette session qui aura été forte en chocolat et qui je pense va me marquer qu'à la fin de mes jours. Incroyable quand même. J'ai sursauté, telle une petite victime. Putain, mais j'ai esquivé. J'ai esquivé, frérot. Oh putain, ça reprend. Mais non, mais là, par contre, c'est de la puterie. J'ai esquivé, gros, j'ai appuyé. Ah mais... ma touche est... Le mec a un arc, ouais, pour les flèches qu'on a récup. Bon, on va y aller. Bon, moi là, je suis prêt. Ah ouais. Ta mère. Et putain, je gaspille même une autre balle. Nique ta mère. Lara Croft. Ça va le faire. Ça va commencer à être lourd un peu là, tout ce que t'as sur le dos, non? Trave des flèches. Seigneur Dieu. Donc ça c'est marrant en fait. Je vais désactiver les alertes. Jusqu'à la fin du stream je désactive les alertes. Je sais même pas comment on fait. Donc ça c'est drôle en fait. C'est quel enculé. Et puis il est là, c'est Kappa MDR. C'est pas drôle en fait. C'est pas drôle. Ça a fait rire qui là? Personne. On va me soigner, va, parce que...
Je vois que je peux compter sur personne ici. Vraiment un enculé, hein. Un droit de pucer, j'étais gavé. Un carreau, très content. Oh là, c'est vu hier, j'étais gavé, hein. Oh! C'est pas con comme façon d'utiliser les mannequins. Récupérer ma flèche au moins. Bon, après, j'ai beaucoup joué à Wii Sport. Hein. Merde. Beaucoup joué à Wii Sport, hein, donc. Voilà quoi. J'ai perdu une flèche par moi. Ah, elle était là. Ok, bah j'aurais pas dû craft en fait. Je me suis fait ken. clac clac boum boum Bayonetta. Au moins ça permettra d'être plus discret. On a un autre intrus. C'est une fille. Est-ce que tu l'as vue? Je sais pas, mais l'autre est pas loin. Ah, merde. On cherche deux intrus. C'est quoi toute cette fumée? Il a fait sauter un de nos camions. Mais comment c'est possible? Contente-toi de les retrouver. Trouvez-moi ces putains d'intrus, ok? Depuis qu'on m'a dit de looter, je me suis plus trop retrouvé dans la merde. Donc vos conseils ont porté ses fruits. Ça aussi l'avait montré? Ah, je me rappelle pas. Mais c'est fort possible. Ah, j'ai fait de la merde. J'ai voulu tenter un move. J'ai tenté un move qui n'avait aucun sens. Logiquement, le chien va se ramener en premier, non? 5 euros, très content. Ah oh, putain, le con. Très content. Alors, je dirais Rayman 2, je crée Escape. C'est vrai que j'ai toujours aimé les jeux de plateforme, et puis la Play 1. C'est vrai que je dirais plutôt la série des Ratchet. Attaque! Juste ici! Je suis mauvais. Oh, ta mère par contre. Non, j'ai esquivé! Mais putain, j'ai esquivé! Gabi les Ratchet. L'esquive, j'ai du mal. J'ai du mal avec le timing de l'esquive. Bon. Je vous dis, on va plus se faire avoir. On n'est pas des pfédales. Est-ce qu'on est des pfédales? Moi, je pense qu'on n'est pas des pfédales. La vitre! Mais jure, ça les tue pas! C'est ta mère, je te rush! Ah, là, j'ai pas appuyé par contre. Là, je n'ai pas appuyé. Bon, je pense qu'on va clear la zone et qu'on se laissera là-dessus. Pour The Excellent The Excellent Last of the Us. On pourrait drop une bombe, hein, mais... On pourrait drop des... Non, c'est pas le moment, c'est pas le moment de crafter. Non, mais c'est faux, c'est pas moi. C'est faux, c'est pas moi. De pute. Ami.
Oh jure, je l'ai pas vu, je crois que c'était l'autre qui aboyait. Allez, meurs. Fétale de chien. Ah, ça a fait clic. Ça a fait clic. Merci Master pour le don d'ailleurs. On oublie ma politesse et mon respect de la personne et la bienséance. Et l'éducation qu'on m'a inculquée. Bon. Il nous a mis dans la merde, c'est qu'on a essayé de crafter là. Donc on ne va pas crafter. On n'a pas vu, c'est impossible. C'est impossible, je suis trop fort. Ouais, mais clairement. Clairement. Ça vibre la mort. Hey. Et merde! Je sais pas, je suis une salope. Mais vise, wesh! Mais. Oh, je sais pas viser. Je ne sais pas viser, je suis mort. Allez, salut mon pote! Arrête, j'ai tiré avant. Bien joué le shoot. Ah, j'en ai pas mis une dedans. Pas une dedans. Olivier Giroud de la personne. Tout à côté. Tu vois l'arc, mais... Oh oui. I'm your Lara Croft. In this bitch. J'arrive là. En haut. Je crois que j'ai vu quelqu'un. Ça marche, mec. Bonne soirée. Profite bien. Et à plus tard. Une excellente session de Trackmania. De toute façon, là, comme j'ai dit, je clear cette zone et puis on part sur Trackmania pour que ça intéresse. Nous allons autister en mi-long, en mi-heure. D'ailleurs, les amis. Drone vocal sera avec plaisir. J'ai visé à côté. Je pue la merde. Mandor. Ah ouais. Ah bah, bonne nuit. Merci d'être passé. Good night. Ah, je pensais que t'allais être déter vu que t'as tapé ta meilleure sieste. Je pensais pas que tu serais fatigué vite. Bonne nuit en tout cas. Merci bien. Et où ce putain de chien là qu'il y avait? On va se crafter des flèches. Comme dans Minecraft, il me les donne par plusieurs. Plaisir.
entendu du bruit. Je vais voir ce qui se passe. Fais gaffe à toi. Mais Call of, gros, t'as déjà 800 heures. Oh. Ouh. Une putain d'embuscade! Ça n'était direction! Oh, le cadavre, il est tombé. Je crois que ça venait de ce côté. Non, c'est faux. Putain, j'avais plus de flèches. Arrête! Emma, avancez! Putain, j'ai cru qu'il était derrière moi. Ah, il y a quelqu'un derrière moi. C'est pas juste. Bref. Je joue pas avec toi. Je joue pas avec les mecs de Call of, moi. Mec, à 800 heures, il en a jamais marre. Pédale. Ah, j'irai jouer avec un excellent toucan. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. J'aurais vu ton vrai visage. Je m'abandonne au premier double XP. C'est triste. Ici, là. Mais non, mes frérots. Ah. Je galère sur tous les passages du jeu. Bah là, je galère sur tous les passages. Souvent, tu fais abandonner quand il y a du Blix, oui. Ah, c'est vrai. Non, mais c'est pas grave. On me touche, mais je reste debout. Ça fait mal, mais je reste debout. Lui toucher. Mais je reste debout. Rage, mec. Mec. Wesh, les chiens, par contre, c'est une dinguerie. Bon, on va poser des pièges, j'ai compris. J'ai capté le Bizer. Frérot, au bout d'un moment. On va poser des... La chute est dure, mais la sortie est sûre. Cette phrase de Tumblr. Punch, elle me fume. Elle m'a fait flipper le papillon. Là. Mais putain, je pensais qu'il allait sauter par la fenêtre, ce con de clébard. Mais bien sûr, il est trop con. Il passe par la porte, cet enculé. J'arrive, hop. Ah, sûrement reste. Hein. Entre deux moulagas. Et lui, Akabi. En fait, là, le problème, c'est que j'ai trop de monde dans mon dos. On nous attaque ! Je crois que t'as des blagues derrière ! Le problème ici, c'est que j'ai trop de monde dans mon dos.
Ils sont tous là-bas. Arrête, arrête, arrête! Oh, le tir, il a lagué! Oh, bon. Il y a du délai là! C'est quoi ce délire? Il y a du délai, il y a du delay, il y a du delay. J'ai pas tiré. C'est vraiment Daisy. Ah on va jamais y arriver. On va y arriver. Je ne sais pas. À la base, il n'y avait personne ici et il y a un mec qui a réussi à me contourner quand même. C'est assez fou. Justice ! La salope ! Oh, le chien il prend 3 balles. Il continue à me sauter dessus. Le chien il a pris 3 balles, s'il te plaît. En vrai, un chien comme ça, tu lui mets un coup dans le museau, il tombe KO. Pas du tout au bon endroit. C'est beaucoup trop compliqué par ici. Le chien c'est Arcana. 32%. Pas mal, pas mal. Bonne vanne. Bonne vanne, il y a du lore. J'aime bien. J'ai plus de flèches. J'avais plus de flèches. Mais à chaque fois je me fais brain. Putain. Allez Arcana, Tamir. Arrête frérot. En faire deux parce qu'on est mauvais. Voilà. Bah si en fait. C'est pas toi qui décide comme dirait Fanta hein, au bout d'un moment.
Oh, je suis rentré comme un agent du FBI là. Où elle est, putain ? Traquez-la. Non, j'ai pas encore écouté l'album de Pop Smoke. Mais il y a trop de feats. Ça c'est sûr. Puis il y a des feats qui sont trop hors sujet. Genre à la base, il devait avoir un feat avec Burna Boy. Ils l'ont remplacé, comme je disais tout à l'heure, par Karol G, par la meuf au pote à 6ix9ine là. Et qui a fait le son avec Nicki Minaj. Il y a plein de feats qui sont un peu HS. Il y a un feat avec Tyga. Alors je comprends pas trop le rapport entre Tyga et Pop Smoke, tu vois. 50 Cent et Pop Smoke, je trouve le... J'ai pas écouté, hein, mais... Je trouve que le truc est bon, enfin, le mix des deux... peut envoyer, tu vois. Mais Tyga, par exemple, et Pop Smoke, je comprends pas trop le projet. Clash 6ix9ine, d'ailleurs. Dans quel son? Il dit quoi? Normal qu'ils clashent Tixnan, c'était des mecs de New York, non. Enfin, les deux sont de New York. Pas forcément très étonnant. Je proclame King de New York. Il y en a à l'infini. Verra, je te laisse découvrir. Bah mais bon gros, je vais l'écouter d'une oreille, je vais pas écouter ce qu'il raconte. Je vais l'écouter en faisant autre chose à côté, tu vois, je vais pas me poser et écouter ce qu'il dit. J'irai chercher sur internet. D'ailleurs on pourrait l'écouter en jouant à Trackmania. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Mais. Il en reste ou pas là? Et là ils m'ont niqué toutes mes balles, ces enculés là. Mes balles. On les a tous tués, j'ai pas l'impression. Hein. Elle a beau dire ok. Qu'il y a encore une petite pression dans l'air là. Il est déjà 1h du matin, putain, va falloir arrêter là. Va falloir arrêter, on est à 1h01. Je pense qu'on va claquer une save ici et puis on continuera à fouiller la zone next time. Donc, ouais, voilà. Voilà pour Last of Us. Ce fut bien cool. Ce fut bien fun et débile. J'ai kiffé. J'ai kiffé, tout simplement. Vous l'avez vu. Les larmes ont coulé quelque part. Donc, j'ai eu les yeux humides. J'ai eu les yeux humides. Voilà. Donc, la rediff, oui, j'allais vous oublier. Des bisous YouTube. Et à la prochaine pour la suite. Bye bye.